Et donc, salut à tous les amis, c'est Miou, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 5 de Minecraft Mode Aventure. Vous voyez tout ce qu'on avait récupéré déjà. Ça veut dire beaucoup de choses. Et je vais attendre que le jour finisse de se lever pour aller chercher de la canne à sucre. Pour après me faire une archéologie table. Il y a encore beaucoup de choses qui méritent d'être explorées. Bon. Tant si j'ai pas du fil pour me faire un arc. Voilà. Du fil. Non, pas du tout de fil. Aucun fil. Aucun fil. J'ai pas du tout de fil. Là. Oh, il y a un bébé chez l'eau. On sprint. On se pète pas de jambes. Non, on va se balader. Une poule. Donc. Un bébé Oslo. Il y a beaucoup de bébés Oslo ou quoi dans cette jungle? Il n'y a pas d'adultes Oslo. C'est bizarre ça. Un creeper aussi. Un cri de peur. Bon. Bientôt, on va revenir au spawn, je pense. On aura une jungle toujours... Yes. Ce que je disais, c'est qu'une jungle doit normalement toujours être collée à un désert. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je remonte. Voilà. Bon, faut aussi que je fasse un peu une petite mine, une genre de petite mine optique. Parce que celle-là, on va mettre une éternité à trouver des diamants. En plus avec les monstres. Se prendre comme des petites citrouilles, tu m'en servir pour troller les creepers. Voilà. Ainsi que de la canne à sucre. Hop là. Et hop là. Oui, parce que comme elle faisait 4 de haut, je suis obligé de la couper petit à petit. Tiens d'ailleurs, on va la mettre devant chez moi. Ce sera beaucoup plus simple pour aller la récupérer. Et là-bas, il y a un désert. Donc ça tombe très très bien. Ce que je vais pouvoir me faire. Parce que j'en aurai besoin de sable et de cactus pour un nouvel objet. Enfin, un nouveau bloc. Bon. Moi je dis vivement que l'1.3 sorte. Surtout que la plateforme de modding sorte. Parce que ça aidera beaucoup de gens. Beaucoup de codeurs surtout. Il faudrait que j'essaye de faire comme sur une ancienne map, un cactus géant. Une canne à sucre géante. Ça dépend, j'ai déjà fait les deux en fait. Ah oh. Wow. What the fuck? What the fuck? Oh yeah. C'est quoi ça? Alors là, j'ai du bol. J'utiliserai peut-être ce style pour une autre aventure, peut-être. Bon, peut-être pas, mais... Peut-être pas à ce point-là, mais what the fuck? What the fuck? Alors là, je vais juste dire ça. Il y a un des genres de Farland en plus. Peut-être que c'est ça, mais Farland, faudrait des jours et des jours de marche. Des mois. De marche. Ouais. Alors là pour un biome extreme height. What? Lag. Lag. On rappelle un truc ça, mais bon, c'est pas grave.
Ouais. Des moutons. Moutons. Oui, il y en a largement assez. Il n'y en a plus qu'il n'en faut pour le dire. Toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Et ainsi que toi, tu vas mourir aussi. Voilà. Votre chair est un... Votre laine est un mort. Oui, votre chair aussi, mais vous n'avez pas de chair. Mais ben, il y a beaucoup de cuivre là dans ces montagnes. Oh yeah, tout ce que j'ai déjà parcouru comme étendue. Je m'ai fait le désert en entier. Donc. C'est pas mal quand même. Cette map est pas mal, donc non, je vous remercie même si je vous l'ai déjà mis dans l'ancienne vie dans la vidéo de l'épisode 4. Donc voilà, celle aussi. C'est 8, 3, 2, 5, 5, 8, 8, 9, 8. Il est très court. Et on prend max de canne à sucre. Enfin j'aurais j'aurais comme faire 500 milliards de bibliothèques d'enchantement, moi. D'autres, comme vous appelez ça, voilà. Hop là. Donc je vais bientôt faire une vidéo en multijoueur avec Mugron sur un aperçu de son mode, car il est terminé, enfin il est pas terminé, mais il est déjà sous Bukit. Un multi, donc je pourrais... Donc je pourrais vous présenter déjà les nouveaux blocs qu'il a ajoutés. Meurs. Il a même réussi à ajouter un nouveau arbre. Un nouvel arbre. Voilà. Ce sont surtout des blocs de décoration qu'il a ajoutés. Pas tellement des blocs bloc-bloc, mais des blocs de déco. Une vitre transparente. Il y a un bois bleu. Il y a la bouse de lézard. Oui, la bouse de lézard. Il y a quoi d'autre? Sinon, il y a encore d'autres petites choses, mais c'est tout. Ça ajoute quand même quelques petits nouveaux blocs. Assez utiles pour décorer vos maisons. Il y a aussi les blocs lumineux du donjon d'argent et d'or du mode Aether, qu'il a refait mais avec des textures un peu plus brillantes, je trouve. Mais sinon, je resterai toujours un grand fan de l'Aether. Car l'Aether, c'est l'Aether. Donc, je vais enfin me prendre ça. Voilà. Je vais enfin pouvoir me faire des petites choses intéressantes. Toi, tu vas me donner... Bon, je sais jamais le craft du papier, c'est normal. Là, tu vas me donner une archéologie workbench. Donc, on va la mettre ici. Il y aurait tout plein de trucs dans le sol. Donc, je vais tout mettre dans le coffre. Le 4. Broken Ancient Sword et des reliques Scrab. Donc, mais ici une ancienne Broken Ancien quelque chose. Sword ou Helmet donc. Et ici on met les reliques Scrab et je sais pas pourquoi j'ai freeze. Donc, je redémarre tout de suite. À tout de suite.